Bonjour à tous, bonsoir à tous, mes chers téléspectateurs, pour cette émission Top Chef dans Minecraft. On se retrouve en compagnie de deux jurys et de trois candidats, donc Cuisto Boss, comment ça va? Bonsoir à tous. Voilà, Cuisto Boss, qui est un très grand cuisto, voilà, il va bien gérer ce soir. Et nous avons notre chef cuisto aussi, le chef Dutch. Bien comme vous. Bonjour, I am Dutch. Voilà, donc nous avons notre petit chef Dutch. Il a l'air plutôt sympathique ce soir. Il a mis son petit chapeau de cuisinier, il y a son papier avec ce qui se passe. Ils sont motivés. Et nous avons notre premier candidat, Yo-Yo. Alors, comment vas-tu, Yo-Yo? Tu te sens prêt? Bien, et vous? Tu t'es bien préparé? Oui. Ok, ça c'est super. Ici, nous avons Alban. Alors, Alban, comment ça va? Bonjour. Bien, et vous? T'es chaud, t'as la patate? Ouais. Ah, bon. Bon courage, en tout cas. Et notre troisième candidat, Warren. Alors, comment te sens-tu ce soir? Un peu stressé? Oui, très stressé. Ah là là. Eh ben, on croit tous en toi, Warren. Hein. Bon courage. Alors, du coup, ce soir, il y aura deux candidats qui vont passer pour le deuxième épisode. Donc, un de vous trois sera éliminé. Donc, voilà, malheureusement. Donc, faites de votre mieux. Et à la fin du chrono, au bout de 5 minutes, vous devrez mettre votre préparation, dessert, dîner, enfin, votre entrée, votre dessert, derrière, dans le sugar box qui sera donné au hasard, aux cuistots, qui iront goûter et qui iront voter les meilleurs. Du coup, c'est parti, on lance le chrono et vous pouvez y aller, vous pouvez cuisiner. Allez, c'est parti. Ok, les candidats se sont lancés, ils vont tous sur leur coffre. Ils vont chercher leur armoire, tout ce qu'ils peuvent trouver. Cuisto Dutch qui va noter ce qui se passe du côté Yo-Yo. Bon, monsieur, pour le moment, c'est la phase préparation. Ils vont tous chercher. Ouais. Alban qui réfléchit. Je vais faire un gâteau. Et Warren qui commence directement par le dessert. Bon, j'ai jamais vu ça, mais s'il veut, il peut commencer par le dessert directement. C'est un choix. Comme un autre. Ok, il a ses aliments. Bien vu, Yo-Yo. Il a bien ses carottes, celui-là. C'est très bien. Parfait. Ok, ça s'échauffe. Il nous prépare du mouton, Alban. Faites quoi, monsieur? Vous foutez de nous, monsieur? Ok, petite préparation. Essaye de faire mon gâteau, mais Travaillez, travaillez, monsieur. Plus vite que ça, plus vite que ça. Allez, oula, Warren qui est en difficulté, un peu stressé. Allez, Yoann. On espère qu'il va se reprendre. Il faut faire cuire le mouton. Allez, c'est noté dans le papier. Vous pouvez le faire. Merci. Le cuisto Dutch qui est plutôt gentil ce soir. Yo-Yo, qu'est-ce que vous faites? Allez, plus vite que ça. Le cuisto boss qui met vraiment la pression ce soir sur nos cuistos, nos petits candidats. Oh, pour une fois, le chef Dutch est plutôt gentil. Allez, franchement, plutôt gentil, chef Dutch. Oh là là, mais allez, monsieur, vous faites quoi là-haut? Allez, j'y arrive pas, ça veut pas marcher, mon four il marche plus. On a un petit problème technique au niveau du four de Warren qui ne veut plus s'allumer, c'est très embêtant ça pour le repas. Ah, bien tenez, vu. Tenez, monsieur. Notre chef boss a un four de rechange. Travaillez maintenant, monsieur. Allez-y maintenant. Ok, il a un four. Il est sauvé, c'est bien vu ça. Alban, que faites-vous, Alban? Dépêchez-vous. Allez, il ne reste que 3 minutes avant la fin. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait encore, on ne voit pas encore leur repas. Est-ce qu'ils ont commencé à déjà terminer? Ah oh, oui, pas mal. Dépêchez-vous, Alban. Pas mal pour Yo-Yo qui a déjà fait une petite soupe. Ah, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. On voit qu'il y a du travail derrière. Monsieur Warren, pouvez-vous donc je vous rappelle que les cuisiniers ne sont pas au courant de ce qu'ils vont manger à la fin, donc vous avez dit, ils ne sauront pas de quel candidat ça provient. Alors, est-ce que Warren, ça va mieux? Il prépare ses bouteilles d'eau. Mieux. Monsieur Alban, dépêchez-vous s'il vous plaît. Il ne reste que 2 minutes, il faut se dépêcher. Il faut finir le dessert, le repas à la limite. Mais si on est encore à l'entrée, c'est un peu mort. Yo-Yo qui prépare les boissons, il est vraiment très très bien. Yo-Yo, je le sens très bien. Il a préparé ses potions, il a tout fait là, franchement. Monsieur Warren, speedez-vous. Il a préparé les bouteilles d'eau. Il a préparé aussi du 7-Up, du Sprite, il a tout fait. Il est vraiment très très bien ce soir.
Alban qui commence à s'y mettre aussi, il est pas mal. Et Warren qui est un peu à la traîne, qui choisit ses boissons entre Coca et Sprite. Et Coca. Alors, allez, mais, allez Warren. Au pire, il y a qu'à mettre les deux, je ne sais pas. Allez Warren, vous pouvez faire. Attention, il ne reste plus beaucoup de temps là. Ça sent très bon par ici. Monsieur Yo-Yo, dépêchez-vous. Je vois pas encore de gâteau pour le moment. Ah, sans je pense Yo-Yo. Ah, il prépare du poisson, d'accord. Il nous prépare du poisson. On sait jamais. Est-ce que quelqu'un ferait un gâteau? Je serais assez étonné de voir un gros gâteau là. J'ai une note, tout ça. Ok, notre cuistot boss qui prend des notes. Bien vu de sa part. Monsieur Alban? Oui, j'ai votre tuition, s'il vous plaît. Vous avez fait quelques questions. À point plus? À point combien? Seigneur. Seigneur. Ok. Monsieur Warren, la cuisson du steak, s'il vous plaît. Oui. Allez, quelques questions. Ok, à point plus. Il reste, c'est la dernière minute, c'est la dernière minute. Les candidats vont devoir se dépêcher pour terminer. Yo-Yo qui est plutôt pas mal. Il finit de cuire je ne sais pas quoi. Son four il est là, tout va bien. Vite les frites, faut que ça chauffe vite. Oh, j'ai vu un petit morceau de gâteau de la part de Warren, ça a l'air plutôt pas mal ça. Et au moins il a déjà un gâteau. Faut se dépêcher de tout préparer. Faut commencer à ranger là, c'est vraiment la fin. Déjà fini. Yannis. Vous pouvez retourner à vos places pendant le tirage au sort des repas. Donc les candidats, c'est terminé. Même si c'est froid, cru, vous devez tout mettre, tout ce que vous avez préparé. Je dis bien pas tous les aliments, les ingrédients, mais ce que vous venez de cuisiner, vous mettez tout dans le shulker box derrière, récupérer le shulker box. De Yo-Yo. Hop. On va récupérer. Alban, est-ce que c'est fini? Vous pouvez le prendre, c'est bon. Ok, on récupère son sugar box. Et monsieur Warren, est-ce que c'est bon? Oui, c'est terminé. Voilà. Donc, je ne sais pas à qui appartient tout ça. Voilà, je mélange tout dans ma main. Hop, on ne sait pas. Et on va tout mettre devant nos chers amis les jurys qui vont pouvoir choisir au hasard. Alors, prenez de gauche. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dans celui de gauche. Bon, partagez en deux. Hein. Prenez celui de gauche, partagez entre les deux jurys. Alors ils vont goûter. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Un petit problème technique au niveau d'une chaise là. Ah oui. La petite chaise qui commence à se faire la malle. Du bon menton cuit. Alors. Alors, est-ce que notre chef Dutch est satisfait de ce repas? Une fois que vous avez tout goûté, veuillez remettre tout dans le shulker de gauche pour que le candidat se reconnaisse de son repas. Alors, Cuistot Boss, qu'est-ce que vous pensez de ce dessert? Franchement, c'était excellent. Excellent. La texture, elle était excellente. Un excellent pour Cuistot Boss. Et monsieur Dutch, qu'est-ce que vous en pensez? C'était vraiment bon. Vraiment bon. Donc, c'est plutôt pas mal. Ils ont apprécié la petite sauce, l'arrière-goût, tout ça. Ils ont, franchement, alors celui-là, je ne sais pas, le candidat se reconnaîtra. Hein. Pour le moment, on ne sait toujours pas qui a fait ça. Je vous laisse prendre celui de droite. Allez, c'est parti, vous pouvez goûter celui de droite. Ouh, qui est plutôt pas mal rempli de choix de boissons, avec de l'orangina, j'ai vu du coca, de la grenadine, tout plein de trucs. Alors les boissons ont l'air plutôt pas mal. Peut-être un peu sucré, je ne sais pas. Faut voir. Alors, notre chef Dutch qui boit de l'eau et du Sprite. Et de l'autre côté, on a de l'Ice Tea, tout ça. Alors, au niveau du repas, qu'est-ce qu'on a? L'entrée, on a une entrée, un dessert. Donc, au dessert, d'accord. Pastèque. J'avais oublié des choses. Des boissons. Oula, quelqu'un a oublié de mettre ses boissons. Ça, c'est très, très, très embêtant. Sans boissons, les juges vont avoir du mal à digérer. C'est plutôt dommage. C'est bon. Voilà, merci. Bah c'est bon, vous pouvez tout remettre dans le shulker de droite et ben on va passer au dernier. Vous allez pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Oh, il est un petit peu vide celui-là. Il est un petit peu vide. Je sais pas qui a fait ça. Franchement, il a pas l'air très 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 appétissant. Il y a des morceaux de pain, ouais. Des pastèques un peu, on va dire, périmées, je pense. Elles ont l'air bizarres. Des pastèques périmées. Oh là là, qui a fait ça? C'est honteux. Des pastèques périmées. Non, qui a fait ça? Qui a fait ça? Oh damn. Bon, je pense que le candidat qui a fait ces pastèques
qui les a mis surtout n'aurait pas moi, dû. Monsieur, j'ai pas mis de pastèque. Qui a mis des pastèques périmées? Moi non plus, j'ai pas mis de pastèque, monsieur. C'est Warren. C'est monsieur Warren. Non, non c'est monsieur pas moi, Warren. J'ai pas mis de pastèque. Il y avait c'est un toi, Warren. Il y avait des cadeaux dedans. Tu ne sais pas ce qu'il y avait dedans, il y avait des boissons. Remettez tout ce qu'il y avait dans le cœur de milieu. Non, vous donnez ça à des chefs cuistots. Vous vous rendez compte? Des pâtes de lapin. C'est éliminé d'office. Aussi. Donc, je veux bien que le candidat on assume son acte. Quel est le candidat qui a mis ça dedans? Je pense que c'est moi parce que les pâtes de lapin. C'est qui? C'est plutôt du lapin. C'est moi, mais. Warren. J'avais pas de lapin. Donc, tu as mis les pâtes. Tu n'aurais rien dû mettre. Tu aurais dû mettre. Je sais pas, une autre viande. Tu avais du mouton à ta disposition, tu aurais pu mettre autre chose que les gens préfèrent. Donc, avis des juges, pensez-vous éliminer Warren ce soir? Alors, ou va-t-il moi, rester dans l'aventure? Vous aurez la vérité, monsieur, ce qui me tient sur le cœur. Direz-le, je vous promets, faut qu'il parte, lui. Lui, c'est un danger public. Faut qu'il parte. Vraiment dommage. Et vous, chef Dutch, qu'est-ce que vous pensez? Vraiment, je suis gentil, mais là, il a débordé. Il a débordé. Oui. Et sinon, j'aimerais savoir qui a préparé avec 6 carottes, 5 pastèques, 3 poissons, 2 poulets. Qui a fait ça? Qui a été un repas très bien apprécié? Ok, yo-yo. Et donc, c'était Alban qui a fait le choqueur de gauche. Donc, quel repas avez-vous préféré ce soir? Celui de Yo-Yo, celui de Alban. Donc Alban, c'est celui de gauche et Yo-Yo, celui de droite. Alors. Donc dites-moi celui que vous avez préféré. Yo-Yo, ton repas, il était vraiment très bon. Je l'ai bien aimé, épicé. Mais je vais partir plutôt sur celui d'Alban. J'ai pris du plaisir à le manger. Alban, il était plus sur les féculents, les gâteaux, la soupe. Ça passait beaucoup mieux. Alors que là, avec le poisson, à la fin, c'était un peu lourd pour ma part. Ouais. Donc c'est un peu dommage, mais il finit à la deuxième position, Yo-Yo, donc Alban qui gagne cette première émission. Donc bravo à toi, Alban, bravo, merci. Bravo, futur cuistot, bravo, bravo. Et Warren, tu es éliminé de la compétition et de l'émission. Donc merci quand même d'avoir participé, il est déjà parti, le pauvre. Et on va vous laisser là-dessus. Est-ce que les custos avaient un dernier mot à dire? On se retrouve pour le prochain épisode. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la finale entre Yo-Yo et Alban. Vous pouvez désormais voter dans les commentaires. Hein. Ça sert à ça. Vous pouvez tous voter. Vous spammez l'hashtag team Alban ou Yo-Yo pour savoir qui gagnera la finale. Donc on se retrouve la semaine prochaine et on vous dit... à bientôt, bisous. À la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine.